Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et nous allons nous attaquer à un sujet. D'où vient le poisson d'avril? Eh bien d'abord, faire des poissons d'avril, en premier temps, c'est amusant. Bon, le but, c'est de coller un poisson dans le dos d'un ou d'une camarade. C'est rigolo, ça fait rire tout le monde. Mais cette tradition, elle vient d'abord de commencer au 16e siècle. À cette époque, l'année, elle débute pas au même moment dans toutes les régions. Pour certaines, c'est au printemps. Ou d'autres, c'est à Pâques. Ou alors, au début du mois d'avril. En 1564, c'est le roi Charles IX qui va décider que le premier jour de l'année, eh bien, ce sera le 1er janvier. Et ce, dans toute la France. Noël, elle va se répandre, mais lentement. Beaucoup de gens n'ont pas perçu l'information et donc continuent à s'offrir des cadeaux pour fêter la nouvelle année alors qu'on est en début avril. Et cette date, bah, elle correspond aussi à la fin du carême, une période pendant laquelle les chrétiens ils mangent pas de viande et ils s'offrent des poissons. Alors pour se moquer de leur erreur, eh ben certains vont leur offrir de faux poissons. Et ce, pour le 1er avril. Et peu à peu, bah, ça va devenir une tradition. Avec le temps, cette coutume, elle va évoluer. Les réseaux, médias, entreprises, bah, ils vont inventer de fausses nouvelles. 1965, il y a même eu un journal qui annonce que tous les gens doivent être teints en blanc, et ce afin d'être vus la nuit. Et en 2004, une célèbre marque de gâteaux va faire croire qu'ils vont mettre en vente de nouveaux gâteaux fourrés au brocoli. Ça va plaire aux enfants, ça. Et toi, aujourd'hui, quel poisson d'avril vas-tu faire? Nous sommes donc le 1er avril, alors je vous souhaite à tous un très bon poisson d'avril.